Et bonsoir à tous, j'avais la flemme d'attendre la dernière minute. Bonsoir à tous et bienvenue sur la console rétro. Je suis Jay, je serai votre hôte ce soir comme tous les vendredis. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une agréable semaine. Est-ce que vous m'entendez suffisamment? A priori, oui. Comment ça va les enfants? Est-ce que vous avez passé une très bonne semaine? On se retrouve aujourd'hui pour continuer de jouer sur l'incroyable console rétro disponible sur le site la-console-rétro.fr. Si cette console vous intéresse ou n'importe quelle autre console de la console rétro vous intéresse, vous pouvez utiliser l'incroyable code promo J10JAY10 pour avoir une magnifique réduction sur votre commande. Profitez-en, pensez-y actuellement puisque le Père Noël va avoir besoin d'idées pour apporter des petits cadeaux au pied des sapins. Donc là on est en période estivale, mais pas du tout puisque estivale ça veut dire pendant l'été. On est en période de vacances, on va avoir Noël, on va avoir les cadeaux, pensez-y maintenant. Il y a le Black Friday dans très peu de temps il me semble, si ce n'est pas aujourd'hui, je connais très très mal les dates. Ça serait drôle, tout un live sans le son, c'est déjà arrivé malheureusement. Je vais revenir sur cette anecdote. Salut à tous, salut Mikey Mike, salut Nico, salut Gary Moore, salut tout le monde. Des gros bisous à vous, je suis très content de vous voir aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'allons-nous faire? On va continuer de jouer, donc bien évidemment, sur la console. Et on va jouer à Ristar, un jeu qui est sorti sur Mega Drive, qui ressemble fortement à Sonic. J'ai hésité avant de choisir Ristar comme jeu pour aujourd'hui. J'ai hésité avec un jeu que je sais que vous me demandez. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, peut-être que je vais leur donner satisfaction. Mais je me suis dit que j'allais passer un très mauvais moment, déjà à cause de cet autre jeu. Et puis surtout, j'aurais aimé ne pas être bloqué par la censure. Donc si ça se passe bien au niveau de la non-censure, dans ce cas, eh bien, la semaine prochaine, on ira sur ce jeu-là. Si ça se passe mal avec la censure, on fera un jeu beaucoup plus accessible, on en trouvera un autre. En l'occurrence, le jeu auquel je pense, il s'agit de Tintin au Tibet. Voilà, j'ai tout annoncé, vous le savez, tous ceux qui ont eu ce jeu-là dans l'enfance, vous savez à quel point c'est une purge de l'enfer. Je crois qu'il a été inventé par Lucifer en personne. Donc, on va pas le faire tout de suite, mais je le garde en tête. Si on n'a pas de problème de censure. On va passer sur la console tout de suite, j'ai beaucoup trop raconté ma vie. Attention, transition magique. C'est intéressant. J'ai fait une transition sans ma tête, sans rien. Meilleure transition magique. Voilà. Donc, on est sur la console. Et on est donc sur la console qui émule toutes les consoles, hein. Je le rappelle, vous avez le lien dans la description, bit.ly/retrojet ou directement la-console-retro.fr si vous désirez acquérir cette console qui contient tous les jeux hein, dedans. Vous voyez la Mega Drive, là il y a, je pense, tous les jeux. Je me suis déjà mis sur le Ristar en question. Il y en a deux versions, il doit y avoir la version japonaise et la version US, si je ne dis pas de bêtises. Tintin au Tibet, eh oui, satisfaction, voilà, on va voir Maria Carré. Ah, Maria Carré, c'est problème de droit immédiat. Ta belle tête, ce serait dommage. Ce serait dommage de pas avoir ma belle tête. Je ne sais pas. Voilà les enfants. Ristar, donc Ristar pour l'histoire, je n'ai jamais joué à ce jeu. Je sais qu'il existe, c'est à peu près tout ce que je sais. Je sais qu'il est magnifique et qu'il ressemble à du Sonic. Voilà. Est-ce que vous connaissez ce jeu? Est-ce que vous y avez joué? Est-ce que vous savez si c'est difficile, facile ou pas? Je sais que pour avoir vu genre le premier niveau, ça me fait énormément penser à un jeu qui s'appelle Rocket Knight Adventure, que je vous conseille, qui est également sorti sur Super NES, je crois, sous le nom de Sparkster. Je sais plus si c'est la suite ou si c'est le nom US. Et c'est un jeu qui est difficile en fait. Et pour Ristar, je ne sais pas. Je sais que ça me fait penser à Sonic. Quel plaisir de retrouver mon ami le plus grand, le plus doué de la console rétro, mon ami Jay, bien sûr. Grand bonsoir à tout le monde. Oh là là, magnifique. Tant d'amour. C'est trop mignon. Merci énormément, Jérôme. C'est trop choupi. On va jouer à Ristar. Paf. Les options. Alors, on joue en normal. On a un bouton pour sauter, un bouton pour catcher. Je vais inverser comme ça. Je vais préférer catcher comme Manu.
avec ce bouton là et sauter avec celui là. Et puis le son, les mots de passe. Ah donc il y a une histoire de mots de passe. Très bien. Rien de nouveau Sonic. As-tu déjà joué à Sonic 3D sur Mega Drive? As-tu déjà joué à Sonic Sonic CD sur Mega CD? Si c'est le cas, tu ne dirais pas cette abomination. Alors donc on a un bouton de saut, un bouton pour Manu catcher. Et du coup l'idée c'est d'attraper les petits trucs, j'imagine. On n'a pas de double saut. Est-ce qu'on peut aïe, on peut attraper les trucs et on peut mettre des gros coups de tête, visiblement. Sonic de l'horreur, non mais je ne supporte pas ces Sonic là. Et après il y a eu pire. Je me fais agresser par un lapin. Tiens, laisse-moi mettre mes mains dans ton feuillage. Il n'y avait plus de lapin. Est-ce que je peux attraper ça? Probablement. Attends. Faut que je joue mieux. Faut que j'apprenne à jouer mieux. J'arrive pas à jouer mieux. C'est assez fort la musique ou pas? J'ai l'impression que c'est assez faiblard. Ça a l'air d'être pas mal. C'est juste chez moi que c'est faible. Pourtant c'est à balle. C'est une métaphore. Qu'est-ce que j'ai raconté comme bêtise encore? Vu que je raconte régulièrement des bêtises. Je peux pas aller plus haut. Je voudrais aller plus haut. Ah, on peut mettre des coups de tête sur les machins en l'air, d'accord. Les mains dans le buisson. Bien, évidemment que oui. Évidemment que oui. C'est bien que je vais pas dire des trucs comme ça au pif. Ah, je peux lui mettre un coup de tête, mais j'aurais dû me balancer, d'accord. J'ai pas encore bien pigé les mécaniques. Ah, et si je mets mes mains sur le truc piquant là, je perds un point de vie. Ça c'est la tristesse. Joyal, donne le joyal. Et je suis mort de décès. Eh bah très bien. Ça commence très très bien ce jeu. Le big deal, Ramucho dans leur à l'appel. Pour le Manu Catché, c'est ça? Si vous avez compris la ref, c'est bon, moi ça me va, hein, ça me suffit. Que vous rigoliez ou pas, ça c'est un autre problème. Viens là toi! Mais ouais, Ramucho, big deal ou leur à l'appel, très bonne question. Il y avait quoi? Il y avait pas un autre truc aussi, genre Crésus? C'est après. Ah, c'est compliqué hein. J'ai pas encore bien pigé la mécanique. Je crois. Il y a un truc caché là. Il y avait une petite étoile. Ça a l'air dangereux ça. Il y a des piquants partout, j'ai pas envie d'aller là. Je me balade hein, on est tranquille. Ah, il y avait un petit lapin là-dedans. Il y avait un petit bunny dans le fourré. Là où j'ai mis mes doigts. Oui, on peut attraper des trucs. Je peux aller me... C'est normal l'asperge là? A priori oui. Oh, ça fait peur. C'est ça, des patterns bizarres. Oh là là, j'aime pas du tout son pattern. On va se barrer vite. Tiens, coup de tête. J'imagine qu'on doit pouvoir jouer beaucoup plus rapidement à ce jeu. Hein. Je me balade là. Il n'y a pas de timer donc. Je fouille. J'ai regagné un point de vie. Il y a un truc là-haut là. Je veux ça. Je veux. On va faire le tour alors. Je peux pas faire le tour. Est-ce qu'on peut tricher? Genre ça. Je peux pas tricher. Comment ça je peux pas tricher? Attends, on est dans un jeu où je peux pas tricher? Ça va pas. Déjà je vais faire ça, voilà. Histoire de valider. Hop, si bien sûr que je peux tricher. Évidemment que oui. J'ai eu peur. Par contre ça va pas. C'est passé. C'est passé aussi. Tu fouilles, bien sûr. Salut Yann, comment ça va?
Alors je crois que j'ai pas bien pigé la mécanique de ce truc là. Il y a un truc là. Oui. Il y avait un joyal. Moins 100 points. Quoi? Pourquoi j'ai perdu 100 points? C'était un faux joyal. Attention. Oui. Incroyable. Je crois que j'ai fait n'importe quoi. Il y avait probablement un truc à faire là-haut. Je peux pas monter. Bon, j'imagine que ça joue comme Sonic en vrai, que c'est censé jouer vite. Et du coup, je fais non. Je peux pas lui tripoter la tête à lui. Ah bah si, j'ai réussi. Je suis obligé de l'attraper avec mes mains quoi. C'est vraiment le restart là, on peut rien faire d'autre que d'utiliser ses mains. Si on utilise autre chose que ses mains, ça marche pas. Il y a des piquants là. Là il y a des piquants mais que dans un sens. Ah mais attends, ça va. J'ai été touché là, comment? C'était là qu'il fallait aller, d'accord. Oui. Ça va quand même moins vite que Sonic, hein, c'est certes. Même en faisant avec l'étoile de folie là, ça va quand même moins vite que Sonic. Hein. Ça va bien, merci Yann. Et puis toi, la semaine. Est-ce que c'est des vacances pour toi? Y a pas les chaussures qui vont vite. Ouais, je pense que c'est ça. On a que des chaussures, des chaussures blanches et jaunes. Elles sont stylées, remarque ces chaussures. Un coup de tête. Un coup de tête aussi à toi. Ah, y a un petit côté Streets of Rage dans la musique là. Mais en fait, c'est la même musique réorchestrée que le premier niveau. Joyaux, c'est juste des points. Pourquoi je me prends la tête à prendre les joyaux alors? C'est juste des points, on s'en fout un peu, non? Je sais pas si c'était ça qu'il fallait faire. J'ai cassé le... Probablement que si. J'aime pas du tout son pattern à lui. Attends, on peut peut-être monter. En vrai. Probablement pas. Je vais trouver un autre moyen. Ah. J'espérais trouver un autre moyen, mais non. Dommage technique, 15 jours à la maison, je reprends demain. Ah, tu reprends un samedi du coup? Eh bien, mes condoléances. Enfin, je dis ça, mais en vrai, je travaille le samedi aussi. Mais ça n'empêche. Il n'empêche. Je pense que j'aurais pu passer en dessous. Je pense qu'il y a un truc en dessous, il faut que je regarde. Ça sent l'arnaque. Il y avait effectivement un truc. Tiens, ça... Ah, ça dégage. Le petit joyal. Ça me permet d'éviter les petits piquants. Aïe! Sacre bleu. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Tiens, coup de tête. Saleté. M'a fait perdre des points de vie. J'ai pas confiance. J'aurais peut-être pas dû aller là. Ah, il y avait un autre truc. D'accord, bon, c'était ça qu'il fallait faire. Il y avait forcément un truc. Oui. Ah, j'ai foiré. On va refaire. Je fais les SD. Comment ça, les SD? C'est Sonic en rentrant de soirée. Petit tube. C'est ça, petit tube, il marche partout. C'est quoi cette étoile? Oh, le full vie! Par contre, je passe à côté du... je passe à côté du coffre qui était au-dessus. Oui.
Ah, c'est ça, SD, samedi, dimanche. Ok, les week-ends, du coup. C'est la fin. Niveau de fin. Yop là! Parfait. Boss. Boss Arena. Ah. Parti pour les combats alors. Et du coup, c'est quoi tes jours de repos? C'est quoi? C'est lundi, mardi? La musique est stylée. Même le boss, il est stylé, il a l'air gentil. Bon, il a un regard de méchant. Regarde, oh mon dieu, il a les yeux froncés! Je suis devenu méchant car mes yeux sont froncés! Mon dieu, mais il a raison! Je n'ai jamais vu des yeux aussi froncés! Comment je fais du coup? Viens là! Oh, je lui ai mis un sale coup de tête. J'ai gagné. J'ai gagné. Oui, 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 bon. Attention. Attention. Oui. Ça l'a fait tout seul en fait. Je sais même pas moi qui ai décidé où aller. Ce passage là me fait penser à Earthworm Jim aussi. Lundi au vendredi. Ah, tu travailles que les week-ends du coup. Du lundi au vendredi, tu te reposes et tu bosses le week-end. Ça va, tranquille. Mais du coup, comment tu fais le samedi, dimanche, tu fais quoi? 8h, 10h, 12h, comment ça se passe? C'est quoi comme jeu? Il s'agit de Restart sur Mega Drive, sur la console rétro. Que vous pouvez bien évidemment acquérir également vous aussi. En allant sur le site la-console-retro.fr et en utilisant le méga code promo J10JY10 pour avoir une magnifique réduction sur votre commande. Profitez-en, ça va être Noël en peu de temps. C'est le moment de filer un coup de main au Père Noël. Est-ce qu'on peut nager? Oui. On peut nager plus vite. Oh là là, il y a des poissons volants, j'aime pas du tout. Tiens, paf! Il est choupi comme jeu, hein. C'est tout mignon. On est en mode Kirby en fait un petit peu. Est-ce qu'on peut respirer sous l'eau? Genre est-ce qu'on va avoir comme dans Sonic ou ça va? Non, ça a l'air d'être tranquille. Ça a l'air d'être tranquille. Dingue pour une étoile quand même. J'ai tellement fort, il sait même pas quoi il gagne. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça, j'arrive pas à savoir quand est-ce que j'ai gagné ou pas. Mais ça a rien à voir avec la force, avec le talon. Ça a à voir avec que j'arrive pas à déterminer forcément ce qu'il faut faire. Par exemple, là, hier, sur ma chaîne perso, on a joué un jeu qui s'appelle The Messenger, qui est un jeu style rétro, mais qui n'est pas du tout rétro. Il est sorti il y a 2 ans, 3 ans. Et pour le coup, il est très dur. Genre vraiment. Et là, du coup, je savais pas quand j'avais gagné, parce que bah, je ne gagnais pas en fait, tout simplement. J'étais pas du tout en train de gagner. J'étais beaucoup en train de perdre. Ah, ils me font peur là, les poissons volants à chaque fois là. Ça sert à quoi de monter? Ah non, mais j'imagine qu'il veut que je descende. Ça sert à rien du tout non plus de descendre. Il y a un boss. Tsunami. Je comprends pas bien ce que je dois faire.
Je dois juste survivre en fait au salve, c'est ça. 12 heures, d'accord. Effectivement 12 heures. C'est un peu vénère quoi. Moi ça c'était électrifié les petits squids. Du coup ouais, du coup je comprends que t'es oh là là, il faut que je rattrape ça. Je comprends que t'es que du coup t'es toute la semaine pour te remettre. Tu fais quoi si c'est pas indiscret? Oui. Ah non, je suis retombé. Alors attends, il y a combien de monde? Il y a deux niveaux et un boss par monde. Il y a l'air d'avoir 7 ou 8 mondes. On avance pas très vite parce que je me balade. Me balader. Il y a forcément des trucs là-haut. S'il y a des bulles qui me permettent de monter, c'est qu'il y a un truc à faire là-haut. On va essayer d'avancer plus vite. Sans les points, on s'en fiche. Pas besoin des points. On va prendre les points alors. Probablement en dessous du coup, faut aller. Coucou. Je vais aller là. Paf. Merci. Ah là là. Il m'a pas touché, c'est bon. Comment on s'en va? Là il m'a touché. Viens là. Ça se trouve, faut que je le bute. Viens ici! C'était ça qu'il fallait faire, effectivement. Fallait le buter. Aïe, je vais mourir! Non, c'est bon. Il en reste un. Ah oui, il balance des petits piquants. C'est lui. C'est ça là. Comment je mets un coup de tête? Comme ça. Voilà. Daddy, daddy, doody. C'est bon. Ah, je pense que c'est ça du coup l'arnaque. Il faut que je m'accroche à ça. D'accord, c'est probablement ça effectivement. Donc j'attends que ça se calme. Voilà, c'est bon. Mais non. Mais non. Ah là là. Je comprends pas, tout à l'heure il nageait plus vite. Paf! Voilà, salut. Attends, il y a probablement un truc caché là. Pas du tout. Je croyais, mais non. Dari dari dabi. Ah, je suis obligé de les tuer eux aussi. D'accord. Ah, vous avez vu là, les déformations de... C'est trop cool. Les déformations de sprite et tout, j'avais même pas fait gaffe à ça. Magnifique. Du coup, comment je fais pour aller là-haut? J'imagine qu'il faut casser le truc en bas d'abord. Voilà. Aïe. Ah oui, maintenant je peux y aller. Pas du tout. Diantre, je suis décédé. J'avais pas fait attention à ça. Je l'ai dit. Hop là. Voilà. Voilà, problème réglé. Bon,
Bon, c'est coup de boule simulator en fait, hein. C'est pas, ça a rien à voir avec une étoile. Y a pas de, y a pas d'autre chemin, d'accord. Dari 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 duri. Aïe aïe aïe. Comment je fais là? Je vois pas comment faire. En fait, je suis obligé de faire ça. Ah là là! Abusé. Abusé! C'est abusé par contre là. Comment je vais faire? Va passer loin. Là, je vais mourir. C'est compliqué là, par contre. Qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il comprend pas ce qu'il doit faire. Obligé d'arnaquer le jeu comme ça. Ah, je fais ça, j'imagine. Et vite, 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 vite. Mais sérieusement? Ce passage là est pas du tout relou. Vous avez l'impression que c'est relou, mais ça l'est pas. Si, si, ça l'est. Y a encore, ils m'ont remis encore les courants là. Récupérer le dernier joyal. Il est bloqué dans la coquille. Ah non, c'est bon. Je croyais. Ah mince. J'ai oublié d'utiliser le truc de... pour faire des points à la fin. Ça se passe bien, ça va le faire. Mais du coup, tu fais ça tous les week-ends. Tous les week-ends, tu te fais genre 12h le samedi, 12h le dimanche, c'est ça? C'est vénère un peu quand même. Comme rythme. Enfin, j'imagine qu'on s'habitue, hein. On s'habitue à tout, donc. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va y avoir une grosse murène derrière mes fesses. Pas du tout, c'est un requin marteau. Ah, mais attends, requin marteau dit que on va jouer au jeu du marteau. Aïe, c'est-à-dire pas ça. D'accord, donc c'est pas ça non plus. Alors j'ai perdu mais j'ai pas compris pourquoi. J'aimerais bien comprendre un peu ce que je dois faire avant. J'embête les petits poissons. Pas pourquoi mais apparemment il y avait un truc à faire. Je peux embêter les petits poissons.
l'intérêt de faire ça, je ne sais pas. Là, il y avait un gros poisson. J'imagine que c'est le requin marteau, du coup. Un week-end de jour et l'autre de nuit. Donc tu fais... Attends, tu fais 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Pas sûr de bien comprendre ton rythme de travail. C'est dans quoi déjà que tu bosses, tu m'as dit? Non, j'ai demandé si c'était indiscret ou pas. Et comme t'as pas répondu, c'est que c'est probablement indiscret. Je vais pas dire alors. Ah. J'ai pas besoin de savoir. Ne t'inquiète pas. Je dois faire quoi? Je dois juste survivre là? Parce que là, il y a des bouchons là et je peux pas interagir avec. Je comprends pas ce que je dois faire. Et toucher là vraiment? Je peux pas le choper. Ah si, je peux le choper. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Je disais aussi que je comprenais pas ce qui se passait, mais c'est normal en fait. J'ai été touché là, vraiment. Par contre, il est plus faillible, hein. Il y a un moment où il faut qu'il ait un point de faille quand même. Là il en avait un et je l'ai raté. Paf! Par contre ça a pas tapé le petit bouchon. Tiens! Paf, le deuxième bouchon. Yes! Il s'est rien passé. Comment c'est évitable? Envie de refaire tout le boss. D'ailleurs, je suis en train de faire ça, mais en fait, on peut faire ça. Mince. Donc je prenne le raccourci de faire ça là. C'est plus facile. Ça m'évite de faire des save states. Voilà. Yes. C'est parti pour le nouveau système. On est où là? On vient de faire le deuxième monde. Ça va, c'est tranquille. Bon, du coup, ça vous dit Tintin au Tibet pour la semaine prochaine? Perso, ça me dit pas, c'est pour vous que je le fais. Hein. Mais Tintin au Tibet, je m'en passerai volontiers. Hein. Unbelievable, incroyable, il nous dit. Très bien. T'es chaud? Non, pas du tout. Je suis absolument pas chaud. Mais c'est pour vous. Hein. Grave, bah oui, évidemment. Évidemment. Tous les petits filous là. Les petits fifrelins. Bon, ça fait que de balancer des trucs là et je suis obligé de prendre un dégât dans la tronche. C'est quoi ça? Une vie? Chancage. Rends-moi mon bazar. Mais attends, mais... J'ai perdu 4 points de vie sur les 4 premiers ennemis. Paf.
Ah et puis il me crame. Ah ouais ça rigole zère. Viens là toi. Viens là. Lol, les flammes de l'enfer juste derrière. Ah ouais, y a un petit problème de... Y a un petit problème de difficulté sur le monde 3 là. Y'a les flammes qui... C'est débile. C'est débile. Ah j'ai oublié de... J'ai oublié de faire ça. Mais c'est débile de difficulté par contre. Attendez. Petit problème. Voilà. Tout va bien. Ah mais c'est idiot. C'est idiot ce qu'ils nous ont fait là. C'est devenu ultra difficile d'un seul coup. Par contre, on est sur des musiques qui ressemblent quand même à du Sonic, hein. Ou live du coup. Alléluia. On va pas aller là. On va pas aller là non plus. C'est exactement ce que je voulais faire, je crois. Toujours trouver Tintin au Tibet très dur. C'est justement, salut Nico. C'est justement tout le principe. C'est parce qu'il est extrêmement dur et il est insupportable comme jeu que justement vous voulez me voir jouer à ce jeu. Moi, j'ai pas envie de jouer au jeu parce qu'il est insupportable. Je vais voir la fin. Moi, je suis parti jusqu'au Yeti à l'époque. C'est dommage que tu sois parti jusqu'au Yeti parce que c'est le dernier niveau, le Yeti. C'est dommage que tu l'aies jamais fini, du coup. J'imagine qu'il faut speedrun ça parce qu'il y a des flammes partout. C'est du suédois, vous inquiétez pas. Je suis pas en train de faire un AVC. Ok, on va aller chercher les machins là-haut. Si, on va aller chercher le machin là-haut, je vous jure. Paf. Et voilà. Je peux pas m'accrocher à ces tuyaux-là, sympa. Je devais aller faire dans le bon ordre. Et comme j'ai pas fait dans le bon ordre, j'ai perdu. D'accord, c'est effectivement probablement ce qu'il faut faire. Attendez. C'est ça, j'avais effectivement perdu un point de vie. Donc, paf. 2, 3, 4. Yes, la récompense, très bien. C'est pas dur en fait. Ah. C'est pas dur parce qu'il m'indiquait la combinaison et que maintenant il me le dit plus, que je suis obligé de me remémorer. C'est donc le jeu du Simon. Voilà, j'ai gagné. Salut. J'ai fait que 500 points de hauteur. Quel dommage. Tu vas pas tenir. Non, je vais probablement pas tenir. Mais c'est pas grave. On va même se rajouter une difficulté. On va le faire sans râler. Ça va être chiant. Non, c'est faux. Évidemment que je vais râler.
Vous rigolez ou quoi? Je râle sur Ristar alors que le jeu il est tout choupi et tout calme. Donc oui, évidemment que sur Tintin au Tibet je vais râler, vous avez cru quoi? Vous m'avez pris pour Bouddha ou quoi? D'accord, ça je peux pas le toucher donc. Je trouve vraiment les musiques de Ristar par contre très très inspirées de Sonic. Hein. Parce qu'il y a un truc comme ça dans Sonic. Hein. Genre le dernier niveau c'est comme ça. J'aurais pu monter là. Let's go! C'est pas du tout ce qu'il fallait faire! On va faire la même dans l'autre sens! Je vais y arriver. Je vais trouver un moyen de le faire des dégâts. Oh là là, il est difficile à choper par contre. Hein. Mais j'ai trouvé un moyen de lui faire des dégâts. Ça, c'était pas très malin. Bon courage. Attends, allez, je crois pas une seconde. Effectivement, même moi, j'y crois pas. Même moi, en le disant, je sais que j'y arriverai pas. Oui, ça sert à rien ce que je fais, mais c'est rigolo. On peut pas tourner dans l'autre sens, non? Faut que je tourne forcément dans ce sens-là, d'accord. C'est parti! Par contre, c'est incontrôlable, hein. Faut que je trouve un moyen de contrôler... parce qu'il faut que je puisse aller là-dedans, là. Voilà. Bon. Je vois pas comment. Comme ça. Et voilà. Je sais pas où je dois aller. Parce qu'il me fait redescendre, d'accord. C'est marrant, mais je peux pas aller à droite. Ah si, je peux aller à droite. Il est particulièrement difficile à tuer, lui. Hein. Est-ce que c'était ça qu'il fallait que je fasse? C'est difficile hein. Je suis pas sûr de savoir ce qu'il faut faire. Ah tiens. Ok, c'est bon. J'imagine qu'il faut descendre l'autre aussi là, mais je vois pas comment je vais y aller. De l'autre côté, peut-être. Ça, c'est quoi? C'est du vide ou comment ça se passe? C'est pas du vide. Ça, j'ai déjà fait, d'accord. Là, je suis mort. Je l'ai attrapé comment? Ok, je vais pas me plaindre. C'est passé. Hein. Là, j'imagine qu'il faut que j'aille au-dessus, mais... Ah, si, je peux. Ça, ça pique. Le feu, ça brûle. Je peux juste faire ça, en fait. Oui, d'accord. Ah, enfin un autre point de vie. J'étais en train de galérer depuis tout à l'heure. Et j'ai fait tout ça pour rien du tout parce qu'on est déjà venu ici. C'était très intéressant. C'est sûr que c'est le machin là que qu'il faut appuyer. Hein. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce qui m'a touché? Qu'est-ce qui me touche? Ah, je suis pas en panique. Hein. Peut-être aller là-bas. Non.
Tiens, meurs toi. Je peux pas y aller là-haut? Eh si. Y'a aucun intérêt. Ah, c'est la fin du niveau, parfait. Tant mieux. J'ai absolument rien compris à ce niveau, mais c'était rigolo. Quel dommage, j'étais au max. Let's go! Et voilà. Je garde mon vendredi pour devoir sur Tintin. Je reprends tous les 2-3 mois et j'abandonne. Le Temple du Soleil, c'est la même. Je l'ai pas fait, le Temple du Soleil, je le connais pas. Je connais Tintin au Tibet, effectivement. Qui est ultra réputé. Mais si vous voulez, on pourra faire ça. Hein. Les défis JDG, reprendre les jeux de l'enfer. Parce que la plupart sont directement sur la console. Donc en fait, on pourra les faire. Mais n'espérez pas ne pas me voir râler par contre. Mais on pourra, on peut se faire ça, on peut se faire une nouvelle, un nouveau format d'émission. Le défi JDG. Reprendre les jeux et puis il va commencer par Tintin au Tibet. Mais je sais plus lequel était le premier dans la liste des... Faudrait reprendre la... Mais YouTube ils ont changé, alors oui. Ça fait partie des trucs rigolos de chez YouTube. Et qu'ils ont changé leur format. Ils ont changé plein de trucs sur YouTube. Et du coup, ils ont changé entre autres le. Ils ont enlevé la fonctionnalité qui nous permet de trier les. Ah. De trier les vidéos par date de sortie. Tu peux les trier par la plus populaire, mais plus par date de sortie. Et ça c'est problématique parce que du coup si tu veux savoir quelle est la première vidéo de JDG, ben tu peux pas. Donc pour se faire un format les jeux du JDG, ça va être galère. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à mes chaînes YouTube. J'en ai 5, ça va, tout va bien. Je peux pas me déplacer là, je suis une étoile mais je peux pas me déplacer. Aïe. Tiens, coup de tête. Pipoupi. Coup de tête. Le coup de tête. Faut le taper 20 000 fois. Aïe, ça c'est inévitable. Il est pas super maniable comme bonhomme. Attendez, je suis jamais mort en fait. On voit que j'ai galéré ou pas? Voilà. C'est quoi? Il fait un centre? Comme il fait ce mouvement là, paf, je peux faire ça. Voilà. Ça c'est un peu la triche du coup. Et là coup de tête normalement. Voilà. Terminé. Oui. Here we go. On va essayer de finir le jeu aujourd'hui. On va aller, on sera pas loin de la fin je pense. Hein. Mais il y a une histoire de gap de difficulté aussi dans ce jeu là qui est assez bizarre. Le premier niveau on marche tranquille, on peut se balader, il y a des petits lapins et tout, c'est rigolo. À partir du niveau 3 il commence à y avoir les flammes un peu partout et tu peux plus te déplacer sans te faire agresser par un truc. Ça c'est les développeurs qui ont pas envie qu'on voit la suite du jeu quoi. Par contre, c'est super choupi hein, comme truc. Les graphismes sont vraiment mignons, les musiques sont cool. C'est quoi ça? C'est un métronome, on dirait. Et de la musique. Et de la musique un peu partout. Là, je peux le déplacer aussi. Si je vais là, je peux voler ou pas, non? Quel est l'intérêt d'avoir mis ça? Je peux pas agir avec.
comprends pas ce qu'il me veut ce truc. Je vois bien qu'il y a une flèche mais je peux pas le récupérer. Lui il veut le métronome. Je l'avais il y a 2 secondes le métronome, qu'est-ce qu'il me dit? Tiens, le v'là ton métronome. Ah ouais, par contre, ça rigole zère. Je peux récupérer les trucs dans les piquants là, sans mourir? Oui. Là, j'imagine que ça me pique mon métronome. Ça me tue, d'accord. Ça me tue beaucoup même d'ailleurs, j'ai perdu beaucoup de points de vie avec ces bêtises. Et mon métronome! Sacripant! Il m'a tué. Si je le mets là, il se passe quoi? Ça l'emmène de l'autre côté tout seul. Ça évite de me faire agresser par ça. D'accord. Ah ok, j'ai compris. C'est pour ça qu'il voulait que je le mette là. Comme ça, après, il revient là. Ok. C'est clair. J'ai tout compris. Mais oui, c'est clair. Viens là! Voilà, tiens. Attrape! Ok. Paf. Je vais le laisser là, je pense. Quelque chose me dit que c'est mieux. C'est plus sain. Viens. Voilà. Oh là là. Comment je fais? Je peux le balancer dans les piquants. Je peux pas, il est trop loin. Comment j'envoie là? Ah, faut que je passe par dessus. Attends, il y a forcément un truc. C'est pas clair. Il y a forcément un truc. Il y a forcément une astuce. Il y a la fin du niveau là-bas. Et je peux pas y aller. Si, on peut y aller quand même sans lui avoir donné le dernier métronome. Si on peut. Ah non, c'est un stage bonus. Il y avait des stages bonus. Il y avait des stages bonus et j'ai rien fait de cohérent jusque là pour trouver les stages bonus. Ah. Est-ce que je peux pas faire ça? Non. Bah tant pis, on pourra pas ouvrir tous les coffres. Voilà, je peux pas ouvrir le reste des coffres. Je peux pas ouvrir le reste des coffres. Qui se rappelle dans Tintin au Tibet, dans la bibliothèque où faut remettre les livres dans l'ordre? C'est dans Tintin au Tibet ça? Qu'il y a ça? Ça me dit rien du tout. Je me souviens d'un jeu où faut remettre des livres dans un ordre, effectivement. Mais c'est pas dans Tintin au Tibet, c'est dans Toonstruck qu'il y a ça. Et d'ailleurs, il y a énormément de gens qui râlent en disant « Oui, il y a une erreur de traduction, etc. » Mais il n'y a absolument aucune erreur de traduction, c'est une erreur d'interprétation. Comment je fais, là, du coup? Le truc rebondit. Ah, là, c'est bon. Voilà, tiens, mange. Abusé. Et en plus, oui d'accord, en plus je fais ça et je me prends le piquant. Ah, lol. Alors il s'est rien passé.
Et voilà. Vous avez dit qu'il s'était rien passé. Avec les couleurs, je me rappelle pas. Je me rappelle dans Toonstruck, effectivement, avec des livres de couleurs. Un bleu, un rouge, machin, tout ça, et que tout le monde dit oui, c'est une erreur de traduction, nanana, nanani. Mais pas du tout, il n'y a absolument aucune erreur de traduction. C'est votre interprétation qui fait ça. Mais le jeu est très bien traduit. Et l'interprétation, elle est correcte. Mais par contre, dans Tintin au Tibet, je ne me souviens pas de ça. Peut-être, hein, c'est probable, hein. T'as certainement raison. Mais j'en ai pas le souvenir. Bon, j'imagine qu'il faut que je me débarrasse de ce truc-là avant de... Voilà. Avant d'emmener le bon truc. Mais il est où mon bazar? Il y a rien en dessous. Du coup, il me l'a remis là. Alors qu'en fait, il faut le mettre dans le trou. Viens là. Viens là. Paf. Mets dans le trou. Tac. Comme ça, il revient là. Ça lui va me le piquer, donc paf, coup de tête. Coup de tête aussi. Ah, il fallait pas lui donner à lui. Quel abus, d'accord. Paf. Ok. Viens là, viens là. Salut. Coup de tête et à... Tiens, voilà, et donc en fait, je me suis pris la tête avec les piquants alors qu'il n'y avait pas besoin. Ah non, si, c'était tout à l'heure. Un autre truc. Oh, je l'ai chopé au coup de bol. Parce que je m'attendais absolument pas à ce qu'il y ait ce machin-là à cet endroit-là. Mais alors du coup, je fais quoi maintenant? J'imagine qu'il faut le balancer là-bas. Hop. Yes. Est-ce que si je touche ça, je meurs? Seulement si je l'attrape. Je ne sais pas, pour l'instant je suis encore vivant. C'est le principal. Bien. Voilà. Et ti ti pouli. Ah oui, de la vie. Heureusement, parce que là ça commence à mal se passer. Viens. J'arrive pas à l'attraper. J'avais galéré ça pour sauver Chang. Faut être sur le... Oui, par contre le premier niveau, ouais. Enfin le premier niveau, en fait le niveau 0, parce que... Ah, j'avais oublié qu'il fallait faire ça. Le niveau 0 parce qu'en fait c'est avant le début de l'aventure. Il raconte, c'est un souvenir en fait. Tu joues un souvenir. Oh là là, j'étais tellement sûr. T'imagines, tu fais ça, tu galères après. Tiens, mange ton truc. C'est toujours pas fini. Ça arrête jamais ce jeu. Version remixée de la musique qu'on a eu tout le long du niveau. Ils m'ont mis des bestioles. Je peux pas les... M'ennuie.
Dernier coup. Et voilà. C'est fini. Ça a vu ça, bye bye. Oh là là. J'ai pris avec Elon, mais juste à côté. Au lieu d'aller en hauteur pour faire les ponts. Bon, ça va, il nous reste plus que 4 mondes. Ah, fallait rester accroché visiblement. Après je suis censé faire quoi? Parce que là je tombe dans les piquants, c'est tout. Ah, faut aller là. J'avais pas vu. Mais comment je suis censé comprendre? Là mais il me met un dégât alors que je suis même pas sur lui. Balance ton fils, voilà, tac. Et pan. Coup de tête. Je peux faire un truc avec ça? Non. Je suis décédé du coup. Par contre, je suis désolé, mais il y a mes mains qui le traversent là. C'est pas... il faut être précis hein, sur leur truc, hein. C'est pas très tolérant. Est-ce qu'on peut jouer de la gratte? Non, quel dommage. Adieu. Ah c'est bon. C'est passé. Pépépépépépé. Je peux pas monter. Même sur le tututut, là je peux pas monter. Ah si, je peux monter en fait. Paf. Je comprends pas bien l'intérêt de faire ça. J'ai... d'accord. Ah attendez. Voilà. On reste accroché. Ah oui d'accord. C'est très malin. Pas du tout. Par contre les sprites elles sont vraiment cool. On dirait Cool Spot aussi un petit peu, je sais pas pourquoi. C'est quand, en tournant sur lui-même là, ça m'a fait penser à Cool Spot. Faut que j'aille en dessous vraiment. Mais c'est impossible. Pas de panique. Aucune panique. Pas de panique à bord. C'est incontrôlable. C'est incontrôlable, hein. Et après, je fais quoi? Donc j'aille... Ah, mais d'accord, il faut que je passe par-dessus de toute façon, quoi. Ou alors je peux passer par là. Dans les deux cas, c'est incontrôlable. C'est incontrôlable. Si t'appuies au mauvais moment, tu te fais piquer. Si t'appuies pas, tu te fais piquer. Si tu te fais piquer, tu meurs. Très facile. Très très facile. Je peux rien faire, je suis vraiment obligé de faire ce mouvement là. Horrible. Horrible. C'est pire que Tintin au Tibet, ça. Parce que Tintin au Tibet, c'est juste dur. Ça n'a rien à voir avec le fait de faire un mouvement qui est pas techniquement faisable par le personnage. Voilà. Voilà ce qu'il fallait faire. Ah, puis il y a un piquant derrière. Ben oui, bien sûr. Pourquoi pas. Il est juste gratos, hein. Ces deux dégâts-là sont gratos. Tu peux juste pas les éviter, en fait. À moins de... C'est de l'arnaque.
Tout ça pour un niveau bonus en plus. C'est même pas le vrai. J'ai pas du tout envie de mourir. Je vais pas faire ça pour un niveau bonus, je vous le dis. Voilà, on va juste faire ça. Aïe. D'accord, ça donc, ce mouvement là est toujours impossible, hein, par contre. Alléluia. Je suis passé. J'en ai pas marre. C'est faux. Pourquoi les jeux rétro sont toujours aussi difficiles? Pas aller du bon côté. En vrai, est-ce que j'ai besoin de refaire ça? Je peux juste faire ça, non? Avec les piquants. Pardon? Ah oui, voilà, je préfère. Je l'avais vu. Pipou, pipou, pou, pipou, poulibou, pipou. Je peux pas passer. Je peux pas y aller. À moins que. Ouais. Ah, la douleur. C'est pas compliqué, tout va bien, tout va très bien. Par pitié, dis-moi que c'est le dernier. Attends, on peut faire mieux. Voilà. Je suis qu'au monde 4. On verra pas à la fin du jeu. C'est beaucoup trop dur. Ça a l'air choupi pipou, mais c'est trop dur en fait. Pas l'agresser. J'ai pas compris. Je lui ai fait un dégât quand même. En plus c'est bien parce que c'est très clair ce qui peut me buter ou pas. C'est ça qui est bien. C'est parfait. Par contre c'est rigolo parce que quand c'est lui qui est sur le... Quand c'est lui qui est sur la plateforme là, la musique devient... La musique est jouée avec des fausses notes. Par contre à quel moment ça me touche? J'arrive à lui mettre des dégâts quand même un jour ou pas? Oui. A priori oui. J'ai réussi à lui mettre des dégâts effectivement. C'est Duck Hunt. C'est vrai que c'est un peu ça quoi.
Je peux me barrer du coup là? Oui. C'est parti! On verra pas la fin du. On verra pas la fin du jeu. Même si il nous reste 45 minutes, je pense pas qu'on aura le temps de terminer le jeu. On a fait que 4 mondes en 1 heure et quart, donc ça sent la possibilité de ne pas terminer le truc malheureusement quoi. C'est pas comme Vectorman. Vectorman. Quel enfer. Planète Elikiki. Ah oui. La planète Elikiki. Oui. Bon, c'était très rigolo, mais... Est-ce qu'on peut aller voir ce qu'il y a en haut de la... Ça c'est incontrôlable. En fait il y a beaucoup trop de trucs qui sont incontrôlables dans ce jeu. C'est un peu le problème. C'est un peu le problème d'un jeu de plateforme où t'as un personnage que tu ne peux pas contrôler. C'est... Il y a un petit problème de conception quelque part. C'est un mélange de jeu de flipper et de jeu de plateforme quoi. Autant vous dire qu'il y a un problème de conception quelque part quoi. Touché par quoi? Ok. Des fois je vais accepter des dégâts quand même. Ça... Il était sonné? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il a l'envers? On peut pas faire des tricks? Je suis obligé de me prendre ce dégât alors. Ça veut dire. Mais il joue tout à l'envers. Je peux pas du tout le contrôler. Pas très clair comme truc. Là du coup je suis obligé de jouer à l'envers. Super. Ça va être long. Ça va être très long. Parce qu'il passe au travers de mes mains là. Est-ce qu'on peut descendre un jour? Non. On peut pas descendre. Pas clair. Vite, la fin du niveau, j'en peux déjà plus. J'avais appuyé sur la touche. Ah non, le bon niveau bonus, non merci. Juste pour tester. D'accord. Il fallait que je sache. Je me rappelle plus. On l'avait fait Duck Hunt ensemble ou pas? Aïe. Aïe, mais c'est sérieusement. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Duck Hunt, non. Est-ce qu'on a fait Cool Spot? Bon, j'arrive pas à le... Je vais tricher. Je peux pas tricher, d'accord. Mais du coup, ça va être... C'est insupportable, en fait. On est dans un truc qui est injouable. C'est protégé. Ah ouais, ça va être long, du coup. C'est injouable. Laisse-moi faire mes boules de neige tranquille, espèce d'idiot.
putain. C'est injouable. C'est injouable. Je connaissais pas ce jeu, il a l'air sympa mais parfois incompréhensible. Bah ouais. Moi je connaissais que deux noms. Et j'avais vu que le premier niveau. Et le premier niveau était tout choupi. Mais par contre, ouais, en fait, c'est aussi contrôlable qu'un flipper en fait. C'est-à-dire que bah ça l'est pas. Mais c'est un jeu de plateforme quand même. Plateforme avec des phases, je sais pas, de réflexion, j'en sais rien, des phases de d'autres trucs. Et des phases de gameplay créatives. Mais en fait, on dirait une démo. On dirait une démo technique. C'est pas très fun à jouer. C'est rigolo pour le concept, mais pas pour le. Pas à jouer en fait. Parce que là, le combat de boule de neige. Je m'ennuie. Sur le principe, c'est rigolo, mais. Sur le. Dans la pratique. Dans la pratique, c'est pas drôle. Ça y est, j'ai le droit de me déplacer, non? Si, ça y est. Alors ça, c'est juste pour le combat de boule de neige, mais en fait, le problème, c'est que c'est un peu plein de trucs dans ce jeu, quoi. Tous les... tout un tas de trucs sur les plateformes où tu te fais agresser par des trucs que tu vois pas. En fait, le principe, c'est rigolo, mais... Dans la pratique, c'est... T'as pas envie de jouer à ça, en fait. C'est faut faire le premier niveau. Le premier niveau il est fun. Parce que du coup c'est rigolo, la maniabilité c'est rigolo sur le premier niveau. Mais après voilà, tu vois là, genre ça là, je suis censé passer comment là maintenant? À quel moment je suis censé m'amuser? Parce que là je peux pas passer en fait. Si je passe je me prends en dégâts. Voilà, j'ai aucun moyen de. Je peux pas passer mes mains à travers le truc. Je peux pas attraper les machins qui fait sauter. Et comme il y a des trucs tout le temps en l'air, bah je ne peux pas éviter. Donc je suis obligé de passer en prenant un dégât. À moins que... Voilà. C'est pas super fun. Il y a un truc qui m'a touché, je sais même pas quoi. Ah ouais, c'est la phase écho le dauphin. Call Dauphin, pareil, sur le papier c'est très drôle. Dans la pratique le jeu est une abomination. Parce que t'as pas envie de jouer en fait. C'est surtout ça le truc. Quand tu fais un jeu, c'est soit pour te détendre, soit pour te dépasser en fait. Apprendre des réflexes, apprendre ce genre de truc, tu vois. Ou de la réflexion, tu vois. Mais t'as pas envie de galérer face à. Voilà, à te faire tuer par une sardine parce que le personnage a une maniabilité qui est horrible en fait. Y a personne qui a envie de jouer à ça quoi. Voilà. Genre ce genre de dégâts là. On se prend juste parce que si tu touches pas la manette, le perso nage naturellement vers le haut. Voilà. Là si tu touches pas en fait il monte tout seul. Ah, et puis il y a des courants aussi. Histoire de rigoler. Et les courants, tu peux pas les éviter. Bah, je crois que je suis passé par-dessus, mais je suis pas sûr d'avoir très bien compris. Voilà, là je sais pas pourquoi mais je peux pas m'accrocher à cette plateforme. J'ai réussi tout le long du jeu mais là maintenant je ne peux plus. Ce qui fait que tu peux pas apprendre en fait. Dans le jeu vidéo t'as toujours une phase d'apprentissage en fait. Tu fais quelque chose, tu te rends compte que ça a telle incidence. Du coup bah t'apprends en fait. Et tu agis en conséquence. Bah là sur celui-là non, tu ne peux pas. Ce que tu as appris avant ne sert à rien. On va casser ça, tiens. Hop là.
Par contre, les musiques, on sent l'ambiance, l'ambiance Sonic quand même. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, je ressens l'ambiance Sonic. Je sais pas si c'est la même équipe, je crois pas. Peut-être le même compositeur, possible. Je sais plus qui a composé Sonic. On va regarder dans les crédits. École de fin, c'est le jeu où tu perds tous tes cheveux. Plus pour moi, il me reste pas beaucoup. École de fin, École de fin, j'avais joué quand j'étais gamin parce que j'étais un fan des dauphins, je trouvais ça trop choupi. Et du coup, j'avais demandé, le pire, je l'ai demandé ce jeu-là. Mais en fait, une fois que tu joues au jeu, comprends ta souffrance. Ah, je peux pas aller là, d'accord. Comprends ta souffrance. Pareil, les premiers niveaux, c'est cool. Le premier niveau, tu te balades, tu parles avec des orques, tu nages avec tes copains dauphins, tout va bien. Mais après, tout de suite, ça part en vrille. Il y a une invasion d'aliens et tu te retrouves dans une machine à voyager dans le temps. Voilà, ça c'est dans le synopsis de base. Donc tu rigoles bien. Mince, faut que je reste accroché. Non, je peux rester là, simplement dans le bug. Restons dans le bug. Voilà. Non. Coup de tête, voilà. J'arrive pas à l'attraper. Voyez le genre de maniabilité relou. C'est que là l'ennemi il est à côté et je peux pas le tuer parce que ses mains sont pas pile dessus quoi. Et comme faut tout jouer avec les mains du bonhomme, c'est vraiment. J'ai vraiment l'impression que c'est un concept de platformer en fait. Genre ils ont essayé de refaire un Sonic. Mais avec un concept de bah tiens le bonhomme en fait tu vas pouvoir contrôler ses mains, ça va être trop bien. Tu vois. Il devait être super il devait être en train de rigoler dans les bureaux de chez Sonic. De chez Sega pardon. Alors ouais on va faire un bonhomme, ça va être une étoile. Et on va pouvoir contrôler ses mains. Et ça va être un jeu de plateforme. Ça va être super marrant. Je pense qu'ils ont bien rigolé. Ça a donné Ristar. Mais il est chou, hein, il est très bien réalisé. Hein. C'est juste un problème de maniabilité, quoi. Et de gap de difficulté aussi à un moment. Mais bon, c'est pas le seul jeu. Dans les jeux rétro, malheureusement, c'est la difficulté, c'est un truc. C'est un truc très très commun, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un mélange de crapaud et de chat. Mais mécanique. Pour une raison que j'ignore. Ça rebondit. Je peux pas lui mettre de dégâts aussi. Comment je lui mets des dégâts? Est-ce qu'il est en train de me croquer? Tiens, mange! Ah, c'est comme ça qu'on fait pour lui mettre des dégâts, d'accord. Donc j'étais absolument pas au bon endroit en fait. J'ai perdu toute ma vie alors parce que j'étais bloqué derrière lui. Alors qu'en fait il faut juste aller de l'autre côté. Voilà, faut juste aller là. Prendre ça et lui donner à manger. Voyez. Donc là en plus, si je tape pas quand il est en... parce qu'il est en train de grailler tout le temps en plus. Donc si je fais pas pile quand il a la bouche ouverte, comme là ce qui vient de se passer, il finit de manger, mais je lui donne pas pile au bon moment, et ben il est pas. Voilà, il prend pas le dégât. Donc on rigole. Ça je suis obligé de prendre le dégât aussi visiblement puisque apparemment on peut pas éviter. Il y a peut-être un moyen d'éviter. Ah ouais, si il y a un moyen d'éviter mais alors... Est-ce qu'on peut éviter aussi le fait qu'il me mette de la glace dans la tronche? Apparemment pas.
pour éviter le dégât là, il faut être au pixel. Hein. C'est un truc de fou, regardez ça. C'est le pixel, hein. Pixel parfait. Et là, je pense que je suis obligé de me faire toucher. Je suis obligé de me faire grailler même. Comment j'évite? Je peux pas éviter. Donc c'est abusé. C'est abusé, donc il y a même des phases qu'on ne peut pas éviter. Et là je suis bloqué derrière maintenant. Voilà, genre de problème de conception. Souvent la jouabilité enlève beaucoup d'envie de jouer. Ouais, mais voyez là le truc. La débilité du bordel. Il me balance. C'est quoi? C'est une pomme? Une fraise? Paf. C'est souvent ça, la jouabilité peut enlever beaucoup d'envie. Certains jeux pourraient être vraiment sympas. Oui. Ouais, grave. Celui-là en fait le concept est intéressant hein, sur le papier le concept est vraiment intéressant mais dans la pratique c'est mal exécuté quoi. Parce que là c'est pas évitable en fait. C'est un peu le souci quoi, il y a de bonnes idées, dans beaucoup de jeux il y a de bonnes idées, mais c'est assez rarement bien exécuté quoi. Genre Sonic par exemple, Sonic c'est une très mauvaise idée sur le papier. Pourtant c'est très très bien exécuté, et du coup le jeu c'est un succès. C'est bizarre hein. Mais sur le papier il y a rien qui va en fait. Parce que... En fait, c'est pas compliqué, hein. Tu vas voir pourquoi ça n'a aucun sens. Sonic, c'est un jeu de plateforme, donc c'est-à-dire il y a des trous, des pics, des plateformes tout simplement, hein, des trucs sur lesquels tu dois sauter, donc il faut de la concentration, il faut bien calculer ses sauts, etc. Mais du coup, tu donnes une vitesse incroyable à ton personnage. Sur le papier, c'est débile. Mais c'est tellement bien exécuté parce que le level design est propre, etc., et bien pensé, que du coup, tu peux aller vite. Sans que ce soit forcément punitif, en fait. Pas tout le temps. Ça l'est pas. Souvent, ça te récompense, même, d'ailleurs. Et c'est ça qui est bien pensé. C'est pour ça qu'il y a des Sonic qui sont très très mal faits, parce que du coup, les mecs ont oublié d'embaucher un level designer. Et du coup, bah, c'est parti en vrille. Ou alors pire. Hein. Tu fais un Sonic, mais en 3D, où tu lui enlèves sa vitesse. Du coup, c'est pas un Sonic, en fait. T'as enlevé le concept de Sonic, t'as juste fait un platformer en 3D, quoi. Alors, comment je fais, là? Avec le truc qui danse, comme ça? Ah! Ça, voilà, ça, ce genre de... ce genre de concept qui est horrible. Où le truc est full aléatoire. D'accord, et là je me fais toucher parce que ça glisse. Et que du coup, comme ça glisse, je peux pas utiliser mes mains. Ça c'est pas mal. Du coup, je peux sauter quand même ou pas? Oui. Là je me fais toucher. Vous voyez là où je me fais toucher? La hitbox qui est mal réalisée. On veut voir le ralenti. Je me fais toucher sur rien. On voit le laser qui me passe à côté. Les nerfs ce jeu. Lequel, Sonic ou Restart? Là j'aurais dû me faire toucher par le laser là. Des petits piquants. Là il y a encore des petits piquants. Ah, il faut que je reste accroché, d'accord. Et bien évidemment ça se déplace. Comme si c'était déjà pas assez compliqué comme ça que de contrôler ses mains. Je souffle.
Attends, ils m'ont mis des piquants là. Sérieux? Ah oui, d'accord, c'est parce que je peux pas revenir du coup. Pour m'empêcher de revenir. Je nage là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je nageais? Je nage là? Mais il y a de l'eau quelque part. Vous voyez de l'eau? Je comprends rien. Je crois ils ont plus d'idées là, ça y est, c'est terminé. Ils ont tout mis. Ce jeu là, ouais. Ah ouais, non, c'est énervant. Hein. C'est énervant parce que c'est très peu contrôlable. Là, visiblement, je descends avec le niveau de la flotte. Il y a un niveau d'eau là, apparemment. Je sais pas. Je comprends plus rien. Enfin, pas comme si je comprenais grand chose au jeu avant, mais. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Je me fais toucher par un truc? Je peux même pas, je suis obligé de me prendre ce dégât. Ça fait penser à Cool Spot. Oui, et c'est justement ce que je disais tout à l'heure. Je trouve aussi que le personnage fait penser à Cool Spot pour une raison que j'ignore. Mais du coup, c'est pour ça que je me demandais. Si on avait fait Cool Spot ensemble. Parce que du coup c'est pareil, on peut le faire Cool Spot, si ça vous dit. Plutôt que de faire Tintin au Tibet. Non, évidemment que vous voulez me voir jouer à Tintin au Tibet. Que vous me détestez. Consommer de la blanche pour comprendre. Sous quelle forme? Sous forme liquide ou sous forme solide? Ça peut vouloir. Enfin, moi je l'interprète de plusieurs manières. Donc j'attrape lui. Pas du tout. Alors comment je vais faire là? Pas comme ça visiblement. Pas sûr de comprendre. Cela dit, je pense qu'il faut arrêter de comprendre maintenant. Aïe. Je me fais toucher quand même. Je me fais toucher par quoi là? Frappé. Inévitable. Est-ce que je peux l'attraper? Oui. Je suis obligé de tricher parce que du coup je puisse pas. Je suis pas connaisseur, je touche pas à ça. Quoi, Tintin, c'est une obligation. Alors, j'aurais jamais dû vous en parler. J'ai aucune obligation. Hein. Vous me devez rien. Je vous dois rien du tout. Je vous devrais des trucs quand vous me paierez. Mais c'est pas le cas. Donc, pour l'instant, je vous dois rien du tout. La blanche, si tu connais la blanche liquide, c'est la bière, la bière blanche, tout simplement. C'est légal, hein. Mais consommer avec modération. Même si ça devrait être illégal, je pense. Ça serait peut-être plus simple.
Mais sérieusement, c'est impossible. Il est c'est incontrôlable. C'est incontrôlable, imprédictible. C'est débile, hein, comme j'aime à le dire. Vous voyez, comment tu fais pour éviter ce genre de truc? T'es obligé de te prendre tous les dégâts de l'univers. J'espère qu'il y a un truc qui te redonne toute ta vie derrière, parce que sinon... Et là, je sais pas, là j'ai l'impression de jouer avec le dauphin. J'avais pas compris. Ah, la bière blanche, tu dois connaître quand même. Non. Après, oui, voilà. Si vous pouvez éviter de consommer de la bière blanche, la bière tout court. Qu'est-ce que c'est ? Je suis mort ? Mais je suis mort écrasé en fait. Mais qu'est-ce que je dois faire ? Ah d'accord. Ah bah faut le savoir, merci les gars. Du coup si je fais ça, ok. Comment je fais après? Je peux pas monter. Mais c'est débile. C'est débile. Le nombre de fois que... C'est débile. C'est débile. C'est insupportable. C'est injouable. La maniabilité, elle est totale délirante. J'imagine que si je me fais toucher par ça, je suis mort. Ah non, c'est un téléporteur, d'accord. Ah non, je passe derrière, ok. Il y a des piquants là, je sens que ça va mal aller. Ça va mal se mettre. Attention, attention, attention. Go! First try. Donne-moi de la vie. Juste un point de vie, eh ben. C'est trop généreux de ta part. J'ai mis un petit verre de Jack. Avec deux glaçons, top bien sûr, avec modération. C'est légal mais avec modération. Il y a des tas de choses qui sont considérées comme étant illégales. Mais ça c'est légal. Donc vous êtes grand, vous êtes responsable, vous faites comme vous le sentez. Et bien évidemment l'alcool est interdit aux mineurs de moins de 18 ans. Est-ce que je lui mets des dégâts seulement? J'ai pas l'impression de lui faire vraiment mal. J'ai pas l'impression de lui faire quoi que ce soit. Est-ce que je peux le balancer tout simplement dans le... Je comprends pas bien ce que je dois lui faire. Est-ce que... Parce que là, je sais pas. Il a pas l'air de tomber. Il se met en équilibre. Après, il tombe. Enfin, il tombe presque. Je crois qu'il faut que je l'envoie contre le mur là-bas, mais il a pas l'air de vouloir bouger. Et quand je le pousse, il retombe sur ses deux pieds. À moins que... Non, il retombe sur ses deux pieds. Je comprends pas ce que je dois lui faire. À lui. Ah, ou alors... Paf, paf, pas du tout. Il perd pas l'équilibre. Je comprends pas, c'est aléatoire. Il y a des fois, il prend des dégâts. Des fois, il en prend pas. Je ne sais pas pourquoi. On comprendra jamais. Et j'ai pas envie de comprendre en fait. Là je commence à avoir très envie de que ça s'arrête. Je vais mourir. Et puis il faut que je fasse en sorte qu'il y ait une plateforme qui fasse tout le tour aussi. Donc il faut que je me débrouille pour pas mourir déjà. Et puis aussi pour faire ça. Paf. Voilà. Ok. Il me reste toujours qu'un seul point de vie. Hein. Le joyal, j'ai pas le joyal. Vu.
J'ai pas vu. Là alors. Mais il est où le joyal? Du coup je peux pas activer le téléporteur. T'imagines, tu fais tout le jeu quand t'es gamin. Tu te prends la tête, tu finis par arriver à ce niveau là et là t'arrives et il manque le joyau. Et du coup t'es bloqué. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Je cherche là, hein. Je sais pas quoi faire. Est-ce qu'ils ont juste oublié de mettre une fin au jeu? Tout simplement. Vous avez des idées ou pas? Parce que... je sais pas quoi faire. Je suis bloqué. Je peux pas monter. Tout va bien. J'ai pas du tout envie de mourir. C'est faux. J'imagine qu'ils font tous n'importe quoi et qu'il y en a qu'un seul qui marche vraiment. Gagner une vie. Oh là là, ça veut dire que la souffrance va durer encore plus longtemps. Ah d'accord. Et ça on fait comment là du coup? Faut l'ultra instinct, c'est ça, pour savoir ce qui se passe? Il se passe quoi d'ailleurs si je meurs? Est-ce que je reviens direct à ce niveau là ou juste pour savoir il faut que je meure? Oh, il m'a donné un point de vie. Tant de générosité. Attends, je veux juste savoir ce qui se passe quand je meurs. Savoir où je reviens. Ça va, je reviens sur le même tableau. Tout va bien. Enfin, tout va bien. Relatif, hein. Je chope le point de vie et je meurs dans la foulée. Parce qu'il y a un temps de chargement sur le point de vie quand tu le chopes. Il apparaît pas directement. Histoire de bien loler. Tellement de mort de lol. Qu'est-ce qu'on s'amuse? C'est bon. Oh, c'est bien marré, hein. Ah oui, parce que c'est pas fini. Adieu. Ah, il faut que je trouve encore. Faut que je m'amuse. Faut que je fouille. D'accord, il est apparu, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais voilà. Il est apparu. Salut. On s'en fiche, j'ai plus envie de comprendre. J'espère tellement que c'est le dernier niveau, mais je sais que non. Je trouve le téléporteur, c'est ça. Je suis bloqué. Encore. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Oui, bien sûr, il y a des trucs... il y a des trucs invisibles. Il y a des plateformes invisibles derrière. Oh la vache! La souffrance! Ah putain!
Oh la vache. Eh oui, bien évidemment, les ennemis qui réapparaissent. Ah, c'est même pas ils réapparaissent, c'est il apparaît pile devant ma tête. Parfait. Parfait. Je crois qu'il peut se transformer en Saiyan comme Sonic. Et non, malheureusement. Je suis persuadé que non. Tout simplement parce que ça, c'est que dans les bons jeux. On pouvait aller là en vrai. La souffrance. Ah d'accord. Il y a peut-être un truc caché là-haut. Quelque chose me dit que c'est le vrai chemin. Que le truc avec les piquants c'est un piège. J'ai pas confiance. C'est quoi ça? C'est la fin du niveau. Alors attends. Ah non, c'est un niveau bonus. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Salut. J'ai pas du tout envie. Là, la fin du niveau. Allez, adieu. Il y avait un téléporteur. Oh, attends. Juste par curiosité. Est-ce que ça fait comme dans Kid Caméléon? Oui. Quelle arnaque. Ça fait comme dans Kid Caméléon, tu peux tourner en boucle dans le niveau. À ne jamais trouver la fin. Quel enfer. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Ça, ça fait penser à Pulseman. Mince. Aïe. J'ai rien compris. Autant cette phase là je la comprends parce qu'il y a les écrans de télévision qui montrent qu'ils me jettent des écrous. Donc ça, ça va. Ça je le pige. Là par contre je comprends pas pourquoi je me fais toucher alors que je saute pour éviter le truc. Donc c'est inévitable en fait, c'est ça que... D'accord. À moins de tricher. Après faut que j'attrape la petite pince, non il faut qu'il tape par terre c'est ça. Je suis pas sûr de comprendre exactement, mais on avait dit qu'il fallait éviter d'essayer de comprendre le jeu. Viens là attraper ton pote. Viens ici là, attrape ton pote. Ça marche pas comme ça. Évitable. Ah ! J'arrive pas à savoir si les choses sont évitables ou pas.
Il change de couleur, mais je sais pas s'il prend des dégâts en vrai. C'est ça le vrai souci. Plus de couleurs d'ailleurs. Je crois que je l'ai tué. J'ai quand même toujours rien compris, hein. C'est pas fini. Est-ce que c'était le boss de fin ou est-ce qu'on a l'incroyable chance d'avoir un autre niveau derrière? Je pense qu'il y a un autre niveau derrière. Encore. Malheureusement. pourquoi à chaque fois que je termine les lives, j'en peux plus, je suis comme ça, tu vois. Je crois que les seules fois où on n'a pas fait ça, c'est dans les jeux qu'on durait vraiment longtemps, genre les Castlevania Symphony of the Night. Aria of Sorrow sur Game Boy Advance, Resident Evil 2 aussi. On n'a pas fait ça. Mais sinon tous les jeux Mega Drive. Non, il y a la NES. Sur la NES, on avait joué à Kirby. C'était pas comme ça. Kirby, c'était mignon. C'était choupi. Faut se dire que c'est le boss de fin là. C'est le niveau de fin. Le truc de fin il est là d'ailleurs. Il y a un petit machin là. Oui. Pas du tout. Je suis obligé de prendre ce dégât, d'accord. On peut pas aller là. Ah, je peux pas aller plus haut. Ah d'accord, c'était sur la droite. Et donc là, on a peut-être le boss de fin. Même pas mal. Mais quand même, ouïouïouï. Est-ce que c'est évitable? Juste ne serait-ce que pour savoir. Oui, c'est évitable. Ça, c'est pas évitable par contre. À moins que. Je vois pas comment je peux. Ça, c'est pas évitable. Ah, si, c'est évitable en trichant. Passant sur le côté, c'est possible. Toujours rien, je pense qu'il y a toujours rien à comprendre, mais il y en a trop partout et du coup on pige rien. Par pitié, dites-moi que c'était le boss de fin. Eh, j'ai gagné, j'ai libéré tout le monde. Il y a un autre boss de fin. C'est lui le boss de fin, rassurez-moi. Donc il n'y a rien qui est évitable. Du coup il me reste que un point de vie pour me faire sortir le boss. Que je ne peux pas attraper donc. Ça
Est-ce qu'on peut faire un truc quand il fait ce move là? Ah. Oui. On peut faire un truc. Non, par contre il me jette ses trucs à la tronche, ça c'est pas très sympa. C'est ma faute. Je peux l'anticiper. Ça j'ai pas pu. Je sais pas si j'aurais pu anticiper celui-là par contre. Quelle arnaque. C'est moi qui l'arnaque du coup là, mais on s'en fiche. C'est pour voir la fin, on veut voir la fin. C'est sûr que c'est le boss de fin. Ah par contre ça c'est pas légal. Voilà. Ça non plus. Ça c'est tellement le son qu'il y a dans Sonic. On sait qu'il y a ce son là dans Sonic hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai pas tué suffisamment à temps? Pourquoi je dois me refarcir le... Est-ce que j'ai perdu? Attends, je veux savoir ce qui s'est passé. Ah oui, d'accord, j'ai 11 vies. Et donc effectivement, j'ai perdu en fait quand il m'a fait ça. Que je me fasse absorber par le bazar. Voilà, si je me fais absorber par ça, c'est game over. Donc là, faut que j'arrive à survivre. Je peux pas. Ah si. Par contre, les mouvements, mais merci, mais non merci quoi. Le truc se téléporte de toute façon sans ma tronche. C'est inévitable, je suis même pas dessus. Je suis même pas sur lui. Je suis même pas sur lui. Mais comment je fais pour éviter un truc comme ça? Je peux pas l'éviter. Je peux pas l'éviter. C'est buggé. C'est buggé, je peux pas éviter les. Je peux pas éviter le dégât. Je peux pas éviter. Si je marche à droite, je ne peux pas éviter le dégât. Du coup, c'est buggé. Donc, il n'y a même pas de vraie fin en fait. Ou alors, je peux le gruger. J'ai réussi à le gruger. C'est inévitable. C'est tellement inévitable. Je peux pas. C'est de la gruge. Il est infinissable. Il est infinissable. Regardez-moi ce move. On a que 4 points de vie, hein. C'est débile. C'est débile. Il est infinissable ce jeu en vrai. Ce mouvement là il est infaisable. Je peux pas le taper. Je peux pas l'esquiver, je peux rien faire.
je suis obligé de me prendre le dégât. Même en trichant. Même en trichant, j'arrive pas à le faire. C'est un truc de fou. Mais il y a une phase 5. Quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que ça s'arrête? Ça y est, c'est fini. J'ai eu peur. Voilà les enfants. C'était Ristar, on a forcé un petit peu pour voir la fin de Ristar. Il est infaisable. Même en trichant, c'est impossible de buter le boss de fin. Vous l'avez vu, hein. Je veux voir le compositeur des musiques. Parce que je sens une influence Sonic. On veut au moins voir ça. Et après on va arrêter le live. On s'arrêtera. Planet Designer, mais il n'y a pas de. Après on s'arrêtera là. On se retrouvera si tout va bien la semaine prochaine. Pour tenter un petit V. J'ai pas envie. Tomoko Sasaki. Oh, ça me dit quelque chose ça. J'ai regardé le nom. Tomoko Sasaki. Compositrice. Qu'est-ce qu'elle nous a composé de beau? Nights into Dreams. Il y a forcément autre chose. Il n'y a pas un wiki. Sonic Adventure. Sonic Colors. C'est quoi ça, Sonic Karasu? Ah mais c'est les voix, d'accord, composer. Sonic Ristar donc. World of Illusion également. Night into Dreams. Et Christmas Night into Dreams, ok. En gros toutes les musiques de Nights. Et en fait elle a fait une voix dans Sonic Adventures. Voilà les enfants, on va s'arrêter là. Des gros bisous à tous. On se retrouve si tout va bien la semaine prochaine pour l'infâme Tintin au Tibet. J'ai pas envie. Je rappelle que si cette console vous intéresse ou n'importe quelle autre console vous intéresse de la console rétro, la-console-retro.fr, vous pouvez utiliser l'incroyable code promo Genis qui vous donnera une magnifique réduction sur votre commande. Des gros bisous à tous, à la semaine prochaine. Ciao !